David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. Seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Yeah.
s'asseoir, s'il vous plaît. Thank you.
Nous étions en train de dire que c'est la famille qui a le mal. Merci. Souvent que les pasteurs ont toujours inventé les choses pour faire rire les gens.
mais je ne vais pas cette fois-ci. J'aimerais vous faire une petite lecture qui vraiment est une circonstance dans Jean 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, qui nous relate une histoire, une situation semblable à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire la perte d'un être cher. La Bible nous dit dans Jean 11, à partir du verset 12, les disciples répondirent, Seigneur, si c'est endormi, il guérira. Cependant, Jésus avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il faisait référence au sommeil naturel. Alors, Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Et à cause de vous, je suis heureux que je n'étais pas là, afin que vous croyiez, mais allons-y. Amen. Le Seigneur va s'adresser à ses disciples et il va parler, n'est-ce pas, de la mort de Lazare. Et j'aime bien comment il commence. Il commence par dire notre ami. Donc le Seigneur était en face d'une peur d'un être cher, c'est-à-dire une personne qui était un ami pour lui. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que le Seigneur un jour s'est retrouvé dans la maison de Marthe, qui était la sœur de Lazare, avec Marthe et sa sœur Marie, et ensemble, ils ont partagé des repas ensemble. Et la Bible nous dira que, plutôt les commentateurs diront que fréquemment, le Seigneur avait l'habitude de fréquenter cette famille. Donc cette famille de Béthanie, avec ses sœurs et ses deux frères, était une famille pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il va dire à ses disciples, notre Lazare est mort. Mais une chose peut nous paraître surprenante lorsque le Seigneur va dire, mais je suis heureux que je n'étais pas là. Seigneur, comment tu peux être heureux d'une personne qui est morte? Comment tu peux être heureux d'une famille qui soit éprouvée? Si Jésus-Christ se passa dans ce contexte, la Bible me dira que alors que Lazare était malade, un message avait été envoyé au Seigneur pour lui prévenir que Lazare est malade. Et la Bible me dira que le Seigneur restera encore deux jours là où il est, afin d'accomplir sa mission. Et pourquoi le Seigneur va rester deux jours? Parce que, nous l'avons lu, le Seigneur va dire aux disciples, afin que vous croyiez. En fait, le Seigneur utilisait la mort comme un langage pour parler à ses disciples. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions comprendre après ce que Job va nous dire dans Job 33, verset 14. Il va dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prête pas garde. Dieu utilise tous les langages qu'il a à sa disposition pour s'exprimer, pour nous parler, pour nous donner une direction, pour nous avertir, pour nous interpeller, pour nous enseigner, comme c'est le cas des disciples. Le Seigneur voulait les enseigner qu'il était la résurrection et la vie. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les personnes très chères vont l'interpeller, vont lui envoyer une annonce, dire que voilà, nous sommes dans une situation très difficile, il faut que tu viennes, Jean. Il va prendre son temps. Et si vous lisez la suite, on vous dira, même quand les sœurs de Lazare vont venir vers lui, ils vont dire, Seigneur, si tu fils était là, notre frère ne serait pas mort. Et le Seigneur va commencer à parler à lui comme à l'autre, en leur disant, je suis la résurrection et la vie. Et ses sœurs vont dire, mais nous savons qu'il ressuscitera à la fin des temps. Mais le Seigneur va leur dire, au moment où je vous parle maintenant, je suis la résurrection et je suis la vie. Je ne vous parle pas de ce qui arrivera à la fin des temps, mais je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, je veux que vous puissiez comprendre que, au travers de ces langages, il y a quelque chose qui est au-delà de la mort. En fait, le Seigneur peut nous amener également ce soir à comprendre cette réalité de la mort. C'est-à-dire quoi? C'est que, contrairement à ce que nous pensons souvent, la mort n'est pas la fin du tout. En fait, la mort n'est qu'un temps d'arrêt. Moi, j'aime appeler la mort comme étant un temps de transfert. C'est-à-dire, nous passons dans la réalité actuelle pour entrer maintenant dans l'éternité de Dieu. Et en fait,
je pourrais même dire que c'est là que la vraie vie commence. Parce que sur la terre, nous ne sommes que des passagers, nous ne sommes que des pèlerins. En fait, la Bible dira clairement, de la poussière nous sommes venus et de la poussière nous retournons. Mais lorsque nous retournons maintenant, nous retournons où? Le Seigneur va être heureux pour Lazare, parce qu'il connaissait Lazare. Lazare, c'était son ami. Lazare a mangé sa parole. Lazare a été proche de lui. Lazare a embrassé les ministères qu'il lui a apportés. Donc, pour le Seigneur, la mort de Lazare n'était pas une motivation. Au-delà du fait qu'il allait le ressusciter, mais il y a aussi le fait que, puisqu'on sait que Lazare est mort, mais Lazare est mort après sa résurrection. Mais il est mort après sa résurrection pour aller où? Pour aller dans les saints. Pour aller dans la maison de son père. Pour aller rencontrer cet ami qui lui avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Et souvent, c'est cette réalité qui nous échappe, que nous oublions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où les gens aujourd'hui, comme dit la parole de Dieu, disent, mangeons et vivons, car demain nous mourrons. Comme on dit, profitons du temps présent. On ne sait pas. On ne sait jamais. Alors profitons, faisons la fête, réjouissons-nous. Dieu n'est pas contre la fête, il reste lui-même, on connaît la première des premiers miracles qu'il va faire, ça sera dans une fête. Mais à travers ces langages de la mort, à travers les langages des épreuves, à travers les langages des voies difficiles, souvent, le Seigneur nous appelle à réaliser qu'il n'y a pas que ton quotidien qui est la fin de ta vie. Il n'y a pas que les temps où les corps s'arrêtent et que les cœurs arrêtent de se battre, que tout s'arrête. Non, le Seigneur peut nous amener à comprendre que lorsque ce qui est physique s'arrête, c'est là que l'éternité commence. Et j'aime souvent dire, l'éternité est plus longue que la vie que nous menons ici-bas. Nous l'avons entendu que la vie ici-bas, c'est quoi? C'est 70 ans. C'est peut-être 100 ans, 120 ans pour le plus robuste. Mais l'éternité, c'est plus que 100 ans, c'est plus que 200 ans, c'est plus que 300 ans, c'est plus que cela. Alors, ne faut-il pas la peine que je puisse commencer dès maintenant à me préparer pour ce temps qui n'aura pas de fin? Parce que la Bible nous dit qu'il est appelé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, tu viens maintenant, tu seras amené à comparaître devant ton Dieu. Mais dans quel état comparaîtras-tu devant ton Dieu? Est-ce en tant qu'un homme prêt? Un homme qui marche avec Dieu? Un homme qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur? Un homme qui a ouvert son cœur à l'évangile, la bonne nouvelle, qui a cru en message, qui a cru en Jésus-Christ comme étant la résurrection et la vie, qui a cru en lui comme étant le seul Sauveur, le seul Seigneur qui peut nous permettre d'entrer dans les saints d'Abraham, comme dit la parole de Dieu? Ou est-ce tu étais un homme ou une femme qui a vécu en disant les choses de Dieu, c'est pour vous. Les choses de Dieu, c'est pour les autres. Les choses de Dieu, c'est pour les malheureux. Les choses de Dieu ne les regardent pas. Bien aimé, si les choses de Dieu ne les regardent pas aujourd'hui, mais après ta mort, les choses de Dieu te regardent. Les choses de Dieu t'interpelleront. Parce qu'un jour, la Bible dit, nous comparerons devant lui. Et lorsque nous comparerons, ceux qui se sont préparés à cette rencontre, ceux-là auront la récompense de toutes les bonnes œuvres qui seront accomplies pour lui et en son nom. Mais ceux qui ne s'étaient pas préparés, la Bible dit, ceux-là iront dans les lieux de tourment où il y a des grincements des dents. C'est Dieu qui est normalement réservé au diable et à ses démons. Ces lieux-là n'est pas réservé à celui qui a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire toi et moi. Mais il peut arriver, en fonction de ton choix, en fonction de ton choix, de le retrouver dans les mêmes temps que les diables. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que ce soit, à travers ces peu de minutes qui vont être accordées, que nous puissions comprendre les langages de Dieu.
Yeah.
Ta grâce est infinie, éternelle. Voici ton fils que tu as voulu appeler dans ton royaume, Seigneur. Nous te le confions dans ta sainteté, afin que toi-même, qui connais qui nous sommes, tu le prennes dans tes bras. Je sais, éternel, que tu n'as jamais regardé ce que nous les hommes nous pensons. Mais nous savons que toi seul, tu décides et tu es souverain. Que cette paix éternelle soit donc avec sa famille ici, qu'elle se sente supportée, que là où tu as enlevé, que tu envoies l'Esprit Saint et que leur consolateur. Nous te le demandons pas parce que nous sommes sages. Mais parce que toi-même, tu nous as dit que tu ne seras jamais loin de nous lorsque nous pleurons. Béni soit ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, en vos grades et qualités, je n'ai d'abord qu'une seule chose à vous dire, merci. C'est pas que la famille de Boule a été absente. Du tout. Boum n'était pas un homme unique ici-bas. Il avait une famille. Ma déception, elle est personnelle et elle est immense. Croyez-moi. D'être là, de voir mon petit frère dans des quatre pierres de bois, sans l'avoir vu, ce n'est pas grave. Même si je l'avais vu, je n'aurais jamais ramené la vie. Je repartirai d'ici le cœur meurtri. Croyez-moi. Parler de Boule aujourd'hui, c'est presque une partie de ma vie. Je n'aurai pas grand-chose à vous dire. Sinon, vous remerciez vous tous, en là. Je ne suis pas l'aîné de la famille. Moi encore, je suis de famille. J'ai des aînés. C'est la vie. La famille de Boule, comme elle s'est présentée, avec des retards, des failles, peu importe. Je retiens qu'une seule chose qu'avait dit pour vous qui m'avez sauvé aujourd'hui. Il y a 10 ans, tu as toujours été là pour nous. J'espère que tu seras là. Et pour moi, je suis là. Je le ferai. Et j'ai fait ce que je pouvais. Tu es de la famille, il t'a épousé. On a les enfants ensemble, c'est tout ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, les amis, l'info circule, hein, la parole circule. Ceux qui ont des choses à dire sur lui, venez, parlez-en, parlons-en. La famille restera unique et indivisible. Il n'y a pas de plan. Celui qui est là à côté de moi, c'est mon cadet. Dieu seul sait comment j'ai toujours fait pour le sortir de là. Qu'il soit très haut, qu'il me suive. Il n'est plus là aujourd'hui, en gloire pour lui. Priant que son âme repose en paix, gardant cette chaîne d'union qui est plus importante pour moi qu'autre chose. J'ai dit. Thank you.
Cher frère et soeur François, pasteur Serge, je suis là pour de très longue date. Je suis vraiment, vraiment en choc ce soir. Sincèrement, la mort de Paul nous interpelle beaucoup. Je disais, la mort de Paul nous interpelle beaucoup. Une semaine avant la mort de Boum, on était comptés tous ensemble à la maison, où on s'amusait, tout se passait bien. Après la fête de lundi, j'avais plutôt ceci à la première voiture. J'appelle Boum, il vient m'aider, on a fait ce qu'on pouvait, on n'a pas pu voir. Bon, on avait la voiture garage. Entre temps, je n'ai pas eu. On s'est appelé deux fois. Le lundi, juste avant sa mort, il m'appelle et il veut me voir comme un petit souci. Je passe le voir. Déjà, je ne trouvais que pas très bien. Je demandais ce qu'il va me dire. Il a une problème du tout. Je dis, s'il te plaît, faites pour la l'hôpital. Je dis, je te rappelle demain pour savoir où tu en es. Ce que j'ai fait, je m'appelle le mardi matin, très tôt. Il me dit, j'ai parlé très bien, il me dit, il a pris l'ambulance pour venir chercher. Et, bon, j'ai dit à vous, s'il te plaît, prends ton téléphone, en tout cas, je t'appelle pour savoir où tu en es, tu vas pour l'hôpital. Bizarrement, toute la journée, j'ai essayé de venir pour le traiter en messagerie. Jusqu'après, c'était 2h30 par là où j'ai réussi à voir sa petite nièce. Il me dit, il a l'hôpital à minuit 30 après-midi pour le moment. Vous pouvez imaginer que quelque chose c'était ce soir. Donc, c'est pour vous dire à quel point la vie elle est tellement courte, franchement. Donc, je pense que ça ne m'interpelle pas trop moi, parce que j'ai une vie où tu vois la hâte, tu vois en train de faire trop précis, tu vois en train de faire des choses par-ci par-là. Donc, je ne peux pas savoir que la vie est aussi tellement courte, franchement. Quelqu'un avec qui j'étais il n'y a pas une semaine, tout d'un coup, on s'est vu lundi soir, que mardi après, on me dit, il n'est plus. Mais bon, je sais, c'est dur en même temps, mais en même temps, quand je l'ai vu avec Boum, c'était quelqu'un de très très bien, très très joyeux, franchement. Boum, quel que soit, dans toutes les circonstances, quand je l'appelais, toujours stressé, comme il disait tout le temps, il m'a déjà appelé à l'international, Barou, tout ça, tous ces mots. Tout le temps, il me dit, tu sais ce qu'on regarde. Et quand on regarde, c'est quoi ton problème? Il y a beaucoup de gens qui me parlent un tiers de ce que tu aimes. Qu'est-ce que c'est quoi ton problème? On n'était pas constant tout le temps ensemble, mais au moins, je vous appelais constamment. Il n'y a pas une fois que j'ai appelé pour un problème pour ne pas venir, franchement. Et c'est quelqu'un sur qui je pouvais vraiment rencontrer. Parce que tout le temps que j'ai appelé pour un petit souci, vous l'avez fait, c'est impossible pour être là pour moi. Donc aujourd'hui, ça me fait vraiment, vraiment un peu de passer de voir en quelles circonstances le parti. Toujours, on va dire, il y aura tous des dégâts, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est arrivé, c'est arrivé. Donc, je vous remercie énormément d'être passé ce soir, témoigner pour que je respecte beaucoup. Et à Blavou, je dis, franchement, c'est vrai que parfois c'est très occupé, mais Blavou, je me demande, pour moi, quand tu veux voir, je souffre là, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, une fois de plus, grand merci de passer et bon retour. Qui a duré juste une heure. Après, je l'ai perdu.
Dans les années 90, vous et moi, par hasard, moi après mes études à l'université Marie-Ambroise, je me retrouve en Italie, Bossu, de l'État congolais. Et donc je devais me rendre à Siena, en italien. Et Boule aussi obtient justement les mêmes avantages et se retrouve en Italie. Donc 2 ans plus tard, on se voit donc avec Boule en Italie. Comme vous le savez, nos États ont une certaine incapacité quand il s'agit de s'occuper de ses étudiants. Donc nous nous sommes retrouvés sans loyer, sans bourse et sans rien. Donc Boule et moi, on a galéré ensemble. Et donc grâce à Boule, que moi je suis devenu ici. Parce que j'avais justement besoin d'un ami, d'un frère, d'un frangin à mes côtés. Pour que je me sente bien. Parce que seul, la galère dans laquelle j'étais ne pouvait pas me permettre d'évoluer. Donc avec Boule, on a été ensemble, on a donc galéré ensemble dans l'Italie, on a tout fait ensemble, on a habité ensemble, tout ce qu'il mangeait, je mangeais. Quand il ne mangeait pas, eh bien je mangeais. Boule, c'est mon frère. Je connais très bien Boule. Je connais ce qu'il aimait manger. Je connais ce qu'il aimait boire. Et je sais les gens qu'il aimait faire. Donc avec Boule, on a fini là. On s'est retrouvé en France. On n'a pas pu continuer les études en Italie, bien sûr. Donc on s'est retrouvé en France, et en France, avec certains d'entre nous, nous étions nombreux dans Bravo d'ailleurs. C'est là qu'on rencontre Bravo, qui avait à peine 17 ans, 16 à 17. Donc on rencontre Bravo avec vous ensemble. Boule c'est un frère. Boule c'est plus qu'un frère. Donc, en France, toutes les maisons dans lesquelles j'ai habité, Boule y est. Tous les endroits où Boule y est allé, j'y suis allé. Tout ce que Boule a fait, j'ai fait. Et ensemble avec... D'ailleurs, je me suis permis de faire ce témoignage parce que j'ai reçu quelques coups de fil de nos nombreux amis de France, on nous appelait les amis de Clignancourt. Et les amis de Clignancourt, il y en a beaucoup. Malheureusement, ils n'ont pas pu être là, mais ils ont envoyé un message. Et le message est que Boule, Yedapoui. Tu sais ce que ça veut dire, franchement. Il n'y a personne qui sait ça. Il n'y a que les gens de Clignancourt qui le savent. Et toi-même, tu sais ce que ça veut dire. On est ensemble. Thank you.
qu'il y en a qui sont pas baptisés, ils cherchent le cahier là où ils sont. On a le cahier avec nous. Mais que c'est, on a vu qu'on a partagé au moins des enveloppes pour pouvoir avancer un petit peu. Celui qui n'a pas baptisé, il n'a qu'à prendre l'enveloppe et puis mettre sa cotisation. Donc on va partager l'enveloppe un peu chacun. Donc, celui qui va recevoir son enveloppe, il trouve le nom. S'il avait déjà cotisé, c'est pas la peine de cotiser. Mais si tu n'as pas encore cotisé, en tout cas, l'enveloppe, tu mets dedans, tu mets ta nom, et il y aura des gens qui vont passer pour cette enveloppe. Nous savons que les uns ont déjà donné, mais les autres n'ont pas déjà donné. Ce que nous allons faire, on va distribuer les enveloppes à tout le monde présent ici dans la salle. Si vous avez déjà donné, nous avons aussi le pic. Tout à l'heure, avec M. Zavala. Quand vous aurez l'enveloppe, juste vous écrivez votre nom. Si vous avez déjà donné, c'est pas un problème. Écrivez seulement votre nom et puis le montant que vous avez donné. Et puis, si vous avez donné à l'église ou à la famille, écrivez juste que c'est l'enveloppe famille, c'est pas un problème. Si vous avez donné dans la communauté, écrivez juste que c'est l'enveloppe communauté et puis vous écrivez le montant. Nous ne voulons pas l'enveloppe vide. Nous avons vraiment besoin d'argent de notre père. Nous avons beaucoup à faire avec cet argent. Nous savons bien que Dieu a laissé vraiment une grande famille. Vraiment, nous devons avoir pitié de cette famille et nous devons vraiment soutenir. Nous sommes dans une obligation de supporter cette famille. Nous ne voulons pas les avoir. On va venir faire des avancées ici, le corps est là, nous devons vraiment respecter le corps. Même plus pas, 20 pas, vous écrivez votre nom, vous écrivez le montant, on va mettre le panier ici. Pendant que vous mettez le panier ici, pendant que la musique, Damien, allô? Nous allons mettre maintenant le panier, c'est juste pour 5 minutes. Il ne faut pas sortir, mes frères et sœurs, c'est juste pour 5 minutes. On va mettre le panier dedans. Et on va distribuer devant les enveloppes et le pic. Et puis on met le panier ici. La musique sera là. On va faire ça rangé par rangé. Et puis. À l'attendant, Damien est en train de mettre la musique. Nous sommes en train de distribuer les enveloppes et puis vous écrivez votre nom. On va mettre les panneaux. Allez, Damien, on... la musique. Thank you.
fait ce livre, rapport à mon rapport de côté, rapport à eux. Nous allons tout va nous manquer pour relaxer. Mais ça serait mieux que nous relaxons avec 5 minutes de la parole de Dieu, juste 5 minutes. Pour vous prouver à son nom. Vous êtes même heureux, c'est la Kinya, au niveau des hommes Kinya. À la Canada, nous sommes paiement. À la Canada, l'Aï, la présence d'Allemagne. Nous sommes dans le monde de la Provalélo. Pour tous ceux qui ont fait sa vie, combien on vous disait, la Provalélo. Nous allons bien appeler le pasteur Clay. Si le pasteur Clay peut venir ici devant, juste pour 5-10 minutes de présentation, nous acclamons pour le pasteur Clay. Que l'Église demande de la vie, mon livre est et puis Maraki. Juste 10 minutes passées, et puis on va continuer de voir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qui nous a été accordée par le bien-aimé de pouvoir tenir un petit mot. Je sais que c'est très difficile de perdre quelqu'un de très cher. Et surtout quand j'ai entendu des témoignages de gens qui étaient ici. D'aucuns ignorent que nous ne sommes plus que des pèlerins sur la terre. Étant de pèlerins, ma plus grande question qui pourra nous interpeller ce soir est que où passeras-tu dans l'éternité? Alléluia. Nous pouvons nous habiller, nous pouvons nous acheter des maisons, nous pouvons étudier, nous pouvons tout faire. Mais sachant qu'il était écrit que nous étions. De la mort, c'est qu'il y a eu la naissance. On ne peut pas parler de la mort et la naissance sont des réalités qui vont de pair. Alors, je voudrais dire que lorsque vous vous retrouvez parmi les vivants, sachez automatiquement que vous êtes candidat à la mort. Qui dit Amen. Dès que vous êtes vivant, mangez, buvez, faites tout ce que vous pouvez faire, mais comprenez très bien que vous êtes candidat à la mort. Pourquoi êtes-vous candidat à la mort? Vous l'êtes tout simplement parce que vous étiez né. Alors, parce que vous étiez né, automatiquement, vous qualifiez pour devenir candidat à la mort. Mais la plus grande question que je me pose, ce n'est pas comment est-ce que l'on mourra, où est-ce que l'on mourra, dans quelles circonstances est-ce que l'on mourra. Mais la question la plus importante est que où passeras-tu dans l'éternité? Qui dit Amen. Notre frère a eu la grâce d'être entouré de beaucoup de gens avec des chansons, louant le Seigneur, des témoignages. Peut-être que toi et moi nous allons mourir dans des conditions où il n'y aura personne pour pouvoir témoigner. Est-ce qu'on est ensemble? Dans des circonstances où il n'y aura même pas quelqu'un qui peut se tenir debout pour dire je les connaissais, il était ceci, cela. Mais la chose la plus importante, que l'on meure là où l'on est entouré de gens, ou que l'on meure où on est seul, que l'on meure dans un lieu où on est enterré luxueusement. Mais la question c'est où passeras-tu dans l'éternité? Parce que la vie sur la terre, elle est éphémère. Nous vivons pour un tout petit. Je ne connais pas l'âge qu'a le faire avant de mourir. Je ne connais pas aussi l'âge que tu auras avant de mourir. La mort est une réalité qui ravage les enfants, les jeunes, les personnes, les adultes, les personnes âgées. Donc c'est une loi de la nature, personne ne pourra s'échapper de ça. Mais la question c'est de savoir où passeras-tu dans l'éternité. L'éternité a beaucoup trop de temps, comme la on le dit éternité, ça dit sans fin. Et pourtant, notre vie sur la terre est limitée par le temps et par l'espace. Mais toi, où est-ce que tu passeras dans l'éternité? Je voudrais, ce soir, lorsque nous sommes en train de penser à notre frère qui vient de nous quitter, que chacun fasse ce qu'on appelle l'introspection, que chacun revienne en lui-même pour se dire, aujourd'hui c'est lui, demain, c'est moi. Lorsque mon tour viendra, est-ce que je serai réussi auprès du Seigneur? Voilà la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit Amen.
Jean 3,16. Cette vie éternelle, pour quiconque qui veut passer toute sa vie dans l'éternité, il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous le recevons comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous avons les clés du ciel, nous avons les clés de paradis. Nous allons entrer dans la gloire du Seigneur. Lorsque la mort viendra, nous allons dire comme l'apôtre Paul, la mort m'est inquiète. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer le frère. S'il avait accepté Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, il est dans la gloire du Seigneur. Qui dit amen. Ce n'est pas encore trop tard. Des fois, nous disons, il faut prier parce que celui qui est décédé, si nous prions, le Seigneur le prendra pour le faire entrer dans le paradis. Je vous dis, ça, ce n'est pas vrai. L'entrée au paradis dépend de votre décision pendant que vous êtes encore en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire amen? Il y a des gens qui croient qu'il y a le purgatoire, en anglais, le purgatory. Il y a le limbo, c'est-à-dire une autre petite chambre où l'on entend jusqu'à ce que les gens vont faire des cotisations pour vous faire entrer dans le paradis. Ça ne se passe pas comme ça. Celui qui vous dit c'est un pasteur théologien, je sais ce que je dis. Quand vous voulez entrer au ciel, la décision se fait maintenant. La décision se tient maintenant. N'attendez pas demain parce que la Bible dit, nous ne connaissons pas ce qu'un jour enfantera. Qui sait si après la sortie d'ici, vous allez mourir? Qui sait? La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Aujourd'hui, tu peux te décider de porter la vie que tu t'es portée, les bijoux que tu as portés, la montre que tu as mise pour venir ici, voir notre frère qui vient de le quitter. Je me pose la question, un jeune homme comme ça, en regardant sa photo, les habits que nous lui avons fait habiller pour le mettre dans ce cercueil, est-ce qu'il a eu à faire le choix? Et malheureusement, je n'ai pas vu comment il est dans le cercueil. Mais si on nous le montrait dans le cercueil, dans un jour grand comme celui-ci, où il y a des gens qui sont venus de partout pour le regarder, je ne pense pas peut-être qu'il aurait pu être d'accord avec celui qui l'a habillé. Parce qu'on est ensemble. Il aurait peut-être dit, non, moi je n'aime pas ce vêtement, j'aurais préféré celui-ci et pas celui-là. Mais on lui a forcé notre choix, lui donnant le vêtement que nous avions voulu, choisi à raison ou à tort. Mais nous le lui avons imposé. C'est pour dire qu'un jour aussi, on t'imposera des choses que toi tu ne veux pas. Mais l'acceptation de Jésus comme étant Seigneur et Sauveur se fait pendant qu'on est en vie. C'est une grande décision à prendre. Beaucoup de gens pensent que quand j'accepte Jésus, c'est pour le pasteur. Tu es malheureux. Moi, j'ai accepté Jésus dans un petit coin, dans un village. Le pasteur qui m'a aidé à accepter Jésus n'a jamais voyagé autant que moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui est resté ailleurs, mais Jésus est avec moi partout. Lorsque nous acceptons Jésus, ce n'est pas pour le pasteur. Nous acceptons Jésus pour notre propre salut. Le pasteur peut rester dans la ville où il t'a connu, mais Jésus sera avec toi partout, dans toutes les villes, partout où tu iras. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. C'est grand temps. Il est un grand temps, mes bien-aimés, de pouvoir nous accrocher de ce Jésus-là. Vous pouvez rencontrer des pasteurs aventuriers, que cela ne soit pas pour vous un alibi pour dire non, voilà, les pasteurs sont des aventuriers, les pasteurs ont fait ceci, ont fait cela. Le Seigneur ne te jugera pas par rapport au pasteur ou aux œuvres d'un pasteur donné. Le Seigneur te jugera par rapport à tes propres œuvres. Aujourd'hui, quelqu'un se décide, se dire non, voilà, j'accepte Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur. C'est une grande décision de ta vie qui pourra tout changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore reçu Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur? Si tu es là, il est grand temps. Il est dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix m'ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui, et lui mangerai avec moi. Voilà, il vous lance cette invitation. Il est grand temps de pouvoir le recevoir
comme étant son Seigneur et Sauveur. Qui dit Amen. À la femme qu'a laissé notre frère, aux enfants, à la famille, Jésus, la Bible elle-même nous dit que notre Dieu est le défenseur de veuves, le père des orphelins. Moi je crois que le Seigneur qui a permis à ce qu'il puisse rappeler ton mari auprès de lui, il te prend pas en charge. Les gens peuvent faire des cotisations, nous l'avons tous fait ici, c'est bon, mais ces cotisations finiront un jour. Cet argent, peut-être demain, va partir. Parce que vous aurez tellement de responsabilités au point que cet argent ne suffira pas. Mais Jésus est une source intarissable. Accrochez-vous à lui. Il aura une provision qui ne vous manquera jamais. Ça sera une provision intarissable pour toi et les enfants. Madame, il est grand temps de tourner tes regards vers le Seigneur. Beaucoup de gens ont fait des témoignages ici. De pouvoir compter sur eux, c'est bon. Mais sachez-les qu'ils pourront aussi vous décevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen là-bas? Amen. Les gens peuvent vous promettre qu'ils sont limités par les moyens, par le temps, par les circonstances. Mais notre Seigneur Jésus est illimité. Si tu le fais confiance, la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Je sais que tu es encore jeune, c'est dur. Mais je sais que le Seigneur est capable de te donner la force pour tenir bon pendant cette épreuve douloureuse. Aux enfants également, aidez-les à être dans la présence de Dieu. Quand vous sentez les soucis vous envahir, quand vous sentez les vides vous envahir, ma petite réflexion, mon petit conseil de ce soir est que madame, prenez les enfants, mettez-vous ensemble, lisez la parole de Dieu, priez. Parce que la famille qui prie ensemble, elle sera toujours forte et inébranlable. Les enfants, aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui viennent vous saluer. Demain, après-demain, vous ne recevez aucun coup de fil, croyez-moi. Parce que tout le monde sera occupé à faire ses affaires. Mais Jésus sera toujours là pour toi. Amen. 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 Où passeras-tu dans l'éternité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se repentir par rapport à la décision qu'il avait prise, se disant, moi l'église, ce n'est plus mon affaire. Dieu dit, je serai là pour vous, si vous êtes là pour moi. Il est grand temps de pouvoir chercher à renouer nos relations, à réparer nos relations avec le Seigneur. Et si nous le faisons, le Seigneur sera toujours dans la joie. Peu importe ce que vous avez fait, il vous recevra comme cet enfant prodigue qui avait quitté la maison de son père, qui est allé s'aventurer. Et lorsqu'il a trouvé que tout est fini, il commençait à manger avec des cochons. Il dit, mais je suis en train de souffrir ici, mon père a des serviteurs, ces serviteurs sont encore mieux traités. Je me décide de pouvoir rentrer auprès de mon père, qui me traite même comme son esclave, comme son serviteur. Mais le père, en voyant son fils revenir vers lui, il est allé dans la joie de pouvoir le recevoir. Pour dire que pour quiconque qui s'est révélé contre Dieu, Dieu attend à ce que Dieu revienne. Il viendra t'embrasser de l'amour divin, un amour que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Il dit Amen. Amen. Je vais clôturer. Où passeras-tu dans l'éternité? La mort est une réalité. Ne mourra que celui qui est né. Or, toi, tu es né un jour, c'est que un jour aussi tu mourras. Accepte Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. Et la mort te sera un gain. Obtenir merci. Merci de nous avoir parlé. Que ta parole soit une semence, ô mon Dieu, qui va germer dans nos cœurs. Béni soit envers chacun de tous ceux qui vont écouter, Seigneur. Laisse que nos cœurs soient fertiles pour pouvoir laisser germer ta parole, mon Dieu. Afin qu'un jour, lorsque la mort vient dans nos chevrons, nous soyons dans la joie avec toi, rentrant au Seigneur après mon dans ta gloire. Bénissons ces moments. Bénissons la race du pauvre. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur que nous avons assez prié. Et ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre ma place, ma place. Et les hommes pour la soupe. Sauf parce que vous allez à Bogoya, que vous allez à Bogoya. Juste 5 minutes passées. Et puis Damien, sois prêt là. Tu vas mettre la musique après passer.
comme ça pour bien pleurer notre Père qui nous a quittés. Merci. Ouais, c'est pas pour une prédication. C'était juste pour dire deux petits mots et puis prier. Moi, je pense que nous sommes là pour une nouvelle triste. Et nous avons, nous tous, le devoir de veiller, je dirais, sur la bonne marche, ou je dirais, sur une bonne continuité de la femme qui est restée avec ses enfants. Et déjà, en tant que famille, nous sommes fiers de tout ce qui s'est fait, du soutien, de la participation, et je dirais, mais nous voulons ce soir, ou je dirais cette nuit, donner à cette femme qui est restée avec ses enfants un autre soutien, comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus, je dirais, important, ou qui est indispensable, je dirais, le soutien de la prière. Et j'aimerais aussi dire ceci. Vous comprendrez que nous faisons tout dans le cadre de la parole de Dieu. C'est parce que nous sommes des chrétiens et nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons à la parole. Et pourquoi je te dis cela? C'est parce que, ou c'est pour faire comprendre aux gens que moi, en tant que grand frère de Bravo, et par, je dirais, l'ordre de toute la famille, nous n'acceptons pas tout ce qui est lié à la tradition. Donc, nous sommes contre, je dirais, des interdits ou des pratiques, je dirais, liées à la coutume. Parce que, étant serviteur de Dieu, je connais le méfait et les conséquences, je dirais, néfastes de ces pratiques. Nous avons cru à ça, nous avons pratiqué cela. Nous sommes, je dirais, Bravo, nous sommes d'une part originaire de l'Angola et d'autre part du Congo, et nous savons ce que ça fait toutes ces pratiques-là. Et nous ne sommes pas d'accord que cela soit fait. C'est pas parce que seulement nous vivons dans une, je dirais, civilisation occidentale, mais c'est parce que, étant enfant de Dieu, nous avons appris un jour à mettre un point final à tout ce qui est coutume, à tout ce qui est tradition. Notre coutume, c'est Jésus-Christ. Notre tradition, c'est Jésus-Christ. Donc, nous prierons pour que Bravo et les enfants acheminent la vie avec le Seigneur. L'homme de Dieu nous l'a répété tout à l'heure, comme disait l'apôtre Paul, il disait, la mort est pour moi un gain. La mort était pour lui un bénéfice. Et je pense que nous ne pourrons pas le faire, mais si Dieu pouvait seulement nous donner l'occasion peut-être de parler à Paul et de lui demander « Que penses-tu de ta mort ?» Peut-être qu'il aurait parlé de la même manière. Il nous aurait dit que la mort est pour lui un gain. C'est pour dire que, et ça c'est pour ma petite sœur, et puis pour les enfants, et pour, je dirais, toutes les familles, et les amis aux connaissances aussi, nous n'allons pas rester dans nos pleurs. Nous avons pleuré, c'était bon, c'est important. Nous continuerons à pleurer peut-être demain et après quelques jours. Mais nous finirons par dire que c'est fini, Boule est partie, il y a une autre vie, il y a Jésus-Christ, nous continuerons avec lui et nous regarderons vers l'avant. La Bible dit, oublions ce qui est en arrière, je cours vers le but. Bravo a un service à faire, il a un travail à faire. Pour honorer la mémoire de son mari qui est parti, c'est de faire que leurs trois enfants aient un avenir meilleur. Et si un jour on pouvait demander à Boule d'apprécier ce qui a été fait, on ne pourra pas le faire, il n'y a que Dieu qui connaît tout cela, vous pourrez dire que non, ma femme est restée avec nos trois enfants, il a pris soin de nos trois enfants, il a élevé nos trois enfants, et aujourd'hui nos trois enfants sont importants à la société. Amen. Donc c'est vraiment important, nous le soulignons, ce n'est pas que nous voulons bafouer, je ne sais moi, l'autorité de qui que ce soit, mais nous sommes chrétiens, nous croyons. Personnellement, quand je suis allé faire mes études au Nigeria en 1995, quand j'ai découvert certaines choses, nous on a pratiqué les kikumbi, mes petits enfants là, la plupart ont fait les kikumbi, mes tantes, tout ça, on a compris que ces choses-là avaient des conséquences, je dirais, dangereuses.
Les Camerounais sont là, je fais souvent le Cameroun, ils connaissent de quoi je parle. Nous avons les Congolais de Brazzaville, d'où Boule est ressortissant, ils comprennent aussi de quoi je parle. Nous sommes tous Africains, nos parents, oui, au respect des parents de mon beau-frère qui vient de nous quitter, oui, au respect de nos parents en nous, mais non à la coutume, non à la tradition. Oui à la parole de Dieu, oui à la volonté du Seigneur, qui dit Amen. C'est pourquoi je veux prier. Et dans ma prière, vous comprendrez que je prends autorité sur certaines pratiques, sur certaines influences sataniques. Pourquoi? Parce que quand on parle de la mort, le diable se présente. Pourquoi? Parce que le diable croit que c'est lui qui est le maître de la mort. Or, ce n'est pas le cas. C'est Christ Jésus qui a et la clé de la mort et la clé de la vie. Mais nous voulons seulement dire au diable qu'il n'aura pas de mainmise dans la continuité ou la continuation de la vie de Bravo et de ses enfants. Il n'aura aucune influence. Nous allons l'arrêter. Nous allons le stopper. Nous allons le renverser. Nous allons le briser au nom de Jésus. Il n'aura aucun pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous veillerons sur ça et nous le mettrons par terre. Nous avons le pouvoir sur lui. Dieu nous a dit que nous marcherons sur lui et nous écraserons sa tête. Je dis Amen. Nous allons prier. Si tu peux dire Amen avec moi, tu le diras. Mais nous prions pour Bravo. Nous prions pour leurs enfants. Nous voulons que tout ce que nos bien-aimés ont fait, que ce soit les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, les Camerounais, tout ce qu'ils ont fait financièrement, nous voulons que cela ait de l'impact. Et comment faire pour que ça ait de l'impact? Il faudrait y ajouter la puissance de la prière. C'est comme ça que nous verrons tout ce qui est donné comme cotisation fera quelque chose qui restera, afin que quiconque a mis la main dans la pâte dise un jour: nous avons assisté une famille et cette famille nous est restée, ou je dirais, cette famille nous est reconnaissante. Amen. Je vais prier, nous allons fermer nos yeux. J'aimerais que Bravo mette sa main sur son cœur, aussi bien les enfants s'ils sont là dans la salle. Nous allons prier. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci pourquoi? Parce que nous nous retrouvons en ce lieu. Juste pourquoi? Parce qu'il y a des saints, mais nous savons que toi tu demeures Dieu. Éternel, tu as dit dans ta parole que tu fais toutes choses pour un but. Et nous avons appris, Dieu, que tu as toujours eu raison. Si tu as accepté que Boule nous quitte, tu le sais pourquoi. C'est pourquoi, Dieu, nous prions ce soir que toute gloire te revienne. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, dans cette gloire, nous voulons, ô Dieu, que la puissance de ton esprit descende dans la vie de Bravo, descende dans la vie de leurs enfants et les conduise tous au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, par le pouvoir qui m'a été conféré, je prends autorité sur toute puissance du diable qui pourrait se lever contre Bravo et les enfants au nom de Jésus. Yahweh, je saisis la puissance de la mort. Yahweh, je la menace. Yahweh, je la renverse. Yahweh, je la consume. Yahweh, je la foudroie au nom de Jésus. Que toute puissance, ô Dieu de gloire, de la coutume et des traditions soit arrêtée, soit stoppée, soit renversée dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que toute trace, dans le corps de Bravo soit ôté au nom de Jésus. Yahweh, nous acceptons que Bravo et les enfants pleurent parce qu'elle a perdu un mari et les enfants ont perdu un père, mais nous refusons que Bravo continue à pleurer pour le malheur dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Et Yahweh, j'ai interdit à toute forme d'apparition au visage de Boule dans la maison de Bravo et dans la vie des enfants au nom de Jésus. Il est enterré, son âme est dans ta main, Seigneur. Il ne pourra plus jamais parler avec Bravo, mais il parlera avec toi. Toute forme de conversation entre tout qui est parti et Bravo
Jésus. Éternel Dieu, je fais appel à ton esprit et à des myriades et des myriades de anges afin que ceux-ci accompagnent bravo. Ceux-ci les protègent. Protège les enfants. Protège la famille de vous. Protège aussi la nôtre. Et que les saints de nous nous sommes tous au nom de Jésus. Yahweh, que tout piège de l'ennemi soit dévoilé dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que rien n'est caché devant ta face. C'est pourquoi Dieu est plus puissant. Nous qui ne sommes pas ignorants des œuvres du diable, nous allons tous le détecter et nous allons le saisir. Nous allons le consumer par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous la lucidité. Donne-nous la révélation, donne-nous la sensibilité spirituelle afin que nous détections les œuvres de l'ennemi, afin que nous détections, nous dévoilons au Dieu de gloire la ruse de l'ennemi, parce que le diable est rusé. Et que notre Dieu, tout ce que le diable aura préparé, qui se présentera au Dieu sous forme d'un ange de lumière, Yahweh, nous allons le détecter, nous allons le détruire au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, tapisse le chemin de la destinée des bravos et de ses enfants dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous te disons merci. Merci pour le soutien. Yahweh, je prie que quiconque en ce lieu qui nous a soutenus soit aussi soutenu au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je ne pas dit à la puissance de la mort de frapper qui que ce soit dans cette salle au nom de Jésus. J'arrête la mort prématurée au nom de Jésus. Et je prie au Dieu que quiconque malade dans cette salle soit guéri maintenant au nom de Jésus. Yahweh, nous glorifions ton Saint-Nom et nous déclarons que Christ Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sanctifions tout ce qui a été donné comme semence, comme argent, comme soutien. Yahweh, Dieu de gloire, tout ce qui a été donné avec une mauvaise pensée, nous prions que le Saint-Esprit agisse, puisque tout est sanctifié par la prière, que tout cela soit sanctifié au nom de Jésus. Yahweh, merci pour la bénédiction, merci pour la joie, merci pour le bonheur, merci pour la consolation. Mais au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, que tout le monde dise amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, acclamons. Que le pasteur. Merci, pasteur. Merci. Il ne reste que, il ne reste que 45 minutes. Là, je vais laisser la place à la famille et à toute la communauté de rendre hommage, donner hommage à notre frère. La musique, depuis que famille tourne la dévolution, c'est qu'il y a 45 minutes pour la nzoto, bah ta pompe finale de la joie à la vérité, pour la nzoto, il y a une dévolution, les hommes à la mort, pour le bien à tort, il y a un endroit. Dans la salle, on tient à 45 minutes, depuis qu'il y a mort, tourne la dévolution, la 45 minutes. Papa Damien, musique, s'il te plaît. Yahweh, nous soumettons l'âme de notre frère dans ta main, aussi bien toute la famille. Yahweh, console-nous. Et Seigneur, nous prions pour que la suite de l'enterrement qui aura lieu demain se passe selon ta conduite et la direction du Saint-Esprit. Merci Yahweh Dieu parce que tu es vivant. Merci pour la consolation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tout le monde dit, quatre personnes, I'm gonna make you mine.
how to shoot at someone who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.
Merci, merci. My friend. I need shade. Papa, ça. Yesu,
azali nzela Yesu azali nzela bebo ya na Yesu ezali awa chanter que tu es là. Nous avons dit que Jésus-Christ présent, éternel, là où tu es, le diable fléchit. Là où tu es, ton règne agit. Là où tu es, ta volonté est faite. Là où tu es, ton armée agit. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions au Dieu de gloire que ton règne agisse ici. Father, we pray that your will will be done in this place. Father, let any power of darkness be destroyed in the name of Jesus. Father, oh God, we cast out, Father, the authority of the demon in Jesus' name. Let the power of the Holy Ghost operate and work in this place in the name of Jesus. Seigneur, nous voulons enterrer notre frère. Nous prions au Dieu de gloire que son âme repose en paix. Seigneur, nous prions que tout souvenir qui restera du coup soit un souvenir de paix, d'attente, de joie et de famille. Nous prions que Dieu de gloire, le décès de notre frère, l'occasion à nos cas. Yahweh Dieu de dispute, d'incohérence, et j'ai donné des ennemis dans le nom puissant de Jésus. Nous prions que Yahweh Dieu de gloire, que son âme soit honorée. Nous prions au Dieu pour sa femme qui est restée, Yahweh. Yahweh, que cette femme reste à la main de Dieu. Toi, tu es le mari de veuve. Prends soin de faveur. Nous prions pour les enfants qui sont restés. Yahweh, tu es le père des orphelins. Prends soin de ces enfants. Que cette cérémonie soit couverte par le sang de Jésus. Et que le diable se taise à jamais au nom de Jésus. Nous déclarons que tu es Dieu et que tu es fidèle. Fais ta volonté, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tout le monde nous amène. Amen. Nous continuerons notre programme. Là, nous allons appeler la famille de Boul, de Papa Boul, s'il est là, qui peut déjà avancer. Si vous avez un mot, pour vous pouvez vous avoir. L'Iwa Boul et le Père Sakimi, la communauté et la famille. L'Iwa Zakra Sengo, nous prenons ce travail. Vous avez fait.
Ah, c'est pas possible.